là là, oh là là, je suis en train de tout faire tomber. Oh là là là. Ça commence bien cette vidéo. Wesh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime le plus au monde. Bien sûr, après la daronne. Hein. On va tout simplement faire une dégustation. On va graille, manger, absorber, consommer, ingérer, ingurgiter, bouffer. Enfin, c'est bon, je crois que vous avez capté le délire. Mais de la nourriture action, par contre. Hein. Ça dérange personne, j'espère. Non, parce que, évidemment, c'est la hesse. On est dans une période... Laisse tomber. Par contre, si vous me faites percer sur YouTube, peut-être qu'Inch'Allah, ce sera de la nourriture Louis Vuitton. Hein. Ah, bah, qu'est-ce que je te dise? On va passer tout de suite à la vidéo, parce que déjà, d'une, j'ai super faim. De deux, j'ai pas trop le temps. Et de trois, bah j'ai plus mon décor. Du coup, je suis un peu deg. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pour ça qu'il faut partir me suivre en fait. Vous attendez quoi? Je vous fais des stories et tout. Surtout que là, je suis en train de refaire ma chambre. C'est pour ça que j'ai juste un fond blanc. Comment vous dire, c'est un peu la hesse. Je vais vous montrer mon setup. Alors voilà, c'est mon setup littéralement. Alors là, il y a de la bouffe. Et puis là, t'as des travaux. C'est réellement la vie que je mène? Absolument. Mais bon, vous inquiétez pas, normalement, j'ai bien dit normalement, c'est la dernière vidéo sans décor. J'ai réussi à acheter pas mal de petites choses et en plus, ça m'a pas coûté cher, genre tout ce que j'ai eu. Et encore, j'ai graillé des trucs pendant la nuit, je suis vraiment désolé. Du style un paquet de chips. Et bon, c'est bon, j'avais un peu beaucoup faim. Vous m'excuserez, hein. Mais j'en ai eu pour 25 euros. Enfin, je trouve ça même pas. Hein. T'enlèves 5 euros puisque j'ai acheté une boîte en fait. Pour mes bracelets, mes bijoux, etc. Allez, c'est parti. Je voulais commencer par les Oreos. C'est des Oreos quoi? C'est des Oreos jaunes. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Bon, oui, j'ai goûté. Parce que j'avais un peu faim, je suis désolé. J'étais en train de monter un meuble, ça m'a pris beaucoup de temps, toute la nuit. Oui, je monte mes meubles la nuit, posez pas de questions. Et au-dessus de minuit, c'est plus ma bouche qui parle, hein, c'est mon estomac. Et du coup, bah, j'ai un peu entamé le paquet. Et franchement, ça va, c'est un peu bon parce que j'avais faim. Mais j'ai goûté après quand j'avais pas faim. Et je vous jure que c'est pas ouf en vrai. Hein. Quand t'as faim, ça va, tu manges, tu fermes ta gueule. Par contre, quand t'as pas faim, tu te dis, wesh, chelou quand même. On va goûter Elsa et sa sœur. Oh putain, la phrase. Ne la sortez pas de son contexte, hein, je vous vois venir, vous. C'est des gâteaux, ok? Ils ont mis Elsa et machin juste pour vendre le produit. À Skip, ça donne des super pouvoirs. Ah bah, on va voir ça tout de suite. Hein. Ils sont éclatés au sol, wesh. En plus, t'es mal, le bruit. Ils sont super durs. On dirait des pièces de puzzle. Et moi, je vais goûter Olaf. ASMR. Bah franchement c'est juste des biscuits, genre des biscuits secs. Ah on s'est bien fait avoir hein. Attendez. Je sens un truc venir là. Oh mais ça fonctionne. La légende était vraie. Je vais régner dans le royaume d'Arendelle. A few moments later. C'est quoi ça? C'est des chocolats. En vrai, je l'ai pris juste parce que le packaging, il m'intriguait un peu. Par contre, on en parle que ça grave un packaging de parfum, genre. À mort, le parfum d'Action chocolatier. Bon, stop les conneries, on va essayer de goûter ça. Je ne sais pas comment il se trouve, j'ai peur un peu d'ouvrir... Ah, nous avons goûté tout ça. Aïe, aïe, aïe! C'est quoi cette merde? Ah, regarde la texture. Ah, c'est pas bon. Je peux pas... Ah! Ah c'est des chocolats à la menthe, je déteste ça. Le chocolat c'est bon, la menthe c'est bon. Mais mélanger c'est dégueulasse. Ah plus jamais hein. Ah je comprends mieux pourquoi il y en avait plein dans le rayon, personne n'achète ça. Ah j'aurais préféré que ça soit un parfum, vraiment. Maintenant nous allons partir dans une petite dégustation. Kawaii. Je casse les couilles. Je sais pas ce que c'est, j'ai vu c'était des licornes. Oh mais c'est des Kinder Bueno version licorne. Mais pas Kinder Bueno. Enfin je sais pas si vous avez capté. Oh les Kinder, faut qu'on en parle. C'est quoi ces prix de Louis Vuitton? Vous avez cru c'était quoi? Faut que je vende un rein pour acheter des paquets. Et dites-vous, quand j'étais en primaire, il y avait des gosses, ils mangeaient ça tout à 16h. Leurs parents, ils venaient, ils leur amenaient des Kinder tous les jours à 16h. Par mois, vous dépensez combien dans des Kinder? Moi des fois je prenais même pas mon goûter pour te dire. Le packaging est plutôt pas mal, hein, j'aime beaucoup. Violet, mauve, très lilas. C'est très tendance cette année. On va pas se mentir, on s'en bat les steaks un peu du packaging. Nous, ce qu'on veut, c'est grailler. You know what? No.
Verdict final. Bah franchement, ça a le même goût. Pourquoi vous payez aussi cher? Ça, je crois que je l'ai payé 30 centimes, 50 centimes. Oh, 50 centimes contre 10 euros. Mais la question est vite répondue, mon frère. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Là, je vais prendre des licornes plus souvent, moi. Oh, c'est trop bon, cette daube. Je la garde, je la mets sur mon lit. Oui. Ah, mais oui, mais le paquet, il est ouvert, je suis con. Vous avez une petite soif? J'ai la solution. Ah merde, attendez, on refait. Twix. Depuis quand Twix ils font des boissons? En plus j'ai vu Mars, j'ai vraiment hésité hein. Du coup j'ai pris les deux. Non je déconne. Je suis encore pauvre. Donc ça a la hesse, on n'oublie pas. On va goûter, apparemment les gens ils m'ont spoilé. Ils m'ont dit que c'était dégueulasse. Du coup j'ai hâte de goûter. Mais ça m'a l'air quand même très sucré hein. Yeah. Avant de santé hein. Je n'arrive même pas à aspirer. Est-ce que c'est ouvert même? Ah bah oui, un opercule. Oh lui aussi, pourquoi il met des opercules? Au début, tu sens rien, mais l'arrière-goût, il est horrible. Mais pourquoi vous commercialisez ça? Genre, les gens... Bah oui, il y a des gens cons comme moi qui achètent et qui en font des vidéos. Donc tu m'étonnes qu'ils en vendent. Bien sûr, ils en vendent. Bon, j'ai quand même un corps soif, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas ça qui va vous désaltérer. Hein. Ça, c'est... Alors là, il y a deux types de boissons. On va goûter l'eau d'abord. Pourquoi j'ai pris de l'eau? Bah, je sais pas, c'était marqué Bar-le-Duc. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est une eau un peu supérieure et tout, tu vois. My rich water is so good. Bah, le Duc, frérot, au bout d'un moment, tu t'appelles le Duc, c'est que voilà, t'as des choses à revendre. Du coup, on va goûter... Je sais pas si c'est de l'eau pétillante ou pas. Ah, je crois que c'est de l'eau... Non, c'est de l'eau normale. C'est de l'eau plate, comme toi. C'est bon, je rigole, c'est de l'humour. C'est une chaîne divertissante, humoristique. Comment ça, je suis pas très drôle? Bismillah. Je sais pas boire. Bah franchement, ça a pas de goût. Après, j'ai envie de te dire, c'est de l'eau, frérot, donc... Tu t'attendais à quoi? Mais c'est multivitaminé. Oui, je reconnais un peu de carottes, de framboises. Ah oui, il y a beaucoup de framboises, de pommes, hein, ça. C'est la base, quand même. Hein. Non, non, c'est de l'eau plate. Nouvelle barre chocolatée! Monsieur Jim. Alors, Monsieur Jim, si tu me regardes, je vais goûter ton produit. Il a intérêt à être bon. Parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu, là. Ok? Donc j'espère que c'est bon. Le packaging, il est plutôt... Ah, ça a baissé, ça va, c'est joli. A few inches later. Bah, en soi, ça passe. C'est pas... Ah. Je me suis mordu la langue. Ça, c'est le karma. Je critique de la nourriture, moi aussi, je suis un malade. Là, j'ai deux boissons et je les ai littéralement achetées pour le packaging. Elles sont magnifiques, wesh. Là, c'est un dragon et là, c'est un tigre. J'aime pas regarder, c'était à quoi? Alors, c'est pas marqué. C'est pas marqué, on doit deviner, c'est ça? Ouais, bah oui. Boisson gazifiée, saveur pitaya avec de la taurine, de caféine et des vitamines ajoutées. Nous avons aussi une teneur élevée en eau de javel. L'eau de javel. C'est-à-dire... Ah, je vais goûter le dragon, je sais toujours pas à quoi c'est. Ils disent pas à quoi c'est exactement, c'est fou hein. Oh, ça a le goût du dragon. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Mais pourquoi elle est tordue? Regardez, elle tient même pas ma canette. Je sais pas si vous voyez, mais genre... C'est pas moi, c'est... les voisins. So, en fait, je vous explique, vu que le mur, il est épais, vu qu'on est en travaux, il n'y a plus de meubles et tout, bah on entend de ouf ce que les voisins, ils font. C'est trop mignon, j'ai pris un mini pot de Nutella. Oh non, l'opercule hyper relou. Bah franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais ça faisait... Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé de Nutella? Bah ça fait très très longtemps. Parce que déjà, quand j'étais petit, on a acheté de la pâte à tartiner, pas du Nutella. Hein. Nutella, c'était vraiment pour les grandes occasions, les anniversaires, quand il y avait des invités. Ça, quel plaisir, après avoir mangé des trucs pas très bons gustativement. Ça se dit pas, ferme ta gueule. Oui. Il y a des Bounty version Wish, enfin du coup version action pour le coup. Quand j'étais petit, je détestais les Bounty, maintenant franchement ça passe crème. Hein. Du coup, je sais pas si ça a le même goût, j'espère pas, je sais pas trop. Mon palais se souvient plus très bien du goût du Bounty, ça se trouve depuis tout à l'heure, je vous raconte que de l'AD. Déjà l'auteur, ça va. Quoi? Mais c'est pas du tout du Bounty! Mais si je vais avoir sur la marchandise. Ah, en plus c'est un truc végétarien.
En fait, c'est des... Je sais pas comment expliquer, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est genre des galettes de riz à l'intérieur ou du riz soufflé, je sais pas trop. Vous savez, c'est les trucs que tu prends quand t'es au régime. Non, c'est trop bizarre parce que je m'attendais tellement à un truc mou et je vois le truc, il croque sous la dent. Je fais what the fuck. Ah, mais franchement, ça va, c'est pas mal. Vous allez rigoler. J'ai pris un burger bonbon. Un burger sucré, quoi. Je sais pas, cette daube, je l'ai payé combien. Action, c'est pas cher. Action, tu te ramènes avec un billet de 20, tu rachètes le magasin, vraiment. J'arrive pas à l'ouvrir. One eternity later. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est très spécial quand même. Je veux pas dire, mais on tape un croc. Mais ça nique les dents. En même temps, t'as 4 étages de bonbons à croquer. J'arrive même si j'ai croqué que le dernier étage. Waouh. Bah c'est un bonbon quoi. Ouais, tout ça pour ça. Il me reste une dernière chose. J'ai pris des pâtes. Enfin des nouilles du coup. Non, c'est des pâtes. Qu'est-ce que je raconte des nouilles? C'est des pastas à l'herbe et à la tomate. Bah du coup, je vais essayer de chauffer ça et je vous ramène tout ça dès que ça sera prêt. Ça vous va? Ça me va? Très bien. À tout à l'heure. Alors, je vous dis direct, l'odeur me débecte. Calmez-vous, j'ai pas dit non à bec. Déjà, les instructions, vous allez foutre de ma gueule, je sais pas faire des pâtes, stop! Si, je sais en faire. Mais ça, c'est différent, tu vois. Et j'ai voulu lire derrière les instructions. C'est pas, c'est marqué en allemand. En allemand. Enfin, je sais pas, vous aurez pu mettre de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe même. Non, de l'allemand. Il y en a plein dans les commentaires, ils vont me dire moi j'ai fait LV1 allemand, donc j'aurais pu lire et faire des pâtes. C'est bon, il y a des dessins, genre je sais regarder des dessins. Tu te calmes. Et puis c'est pas une fierté de se vanter que l'allemand ça l'a servi que pour cuire des pâtes, genre vraiment, genre... À quoi d'autre ça sert? À rien, on est d'accord. Bah on va goûter ça, mais franchement, j'ai un peu peur. Bah vous savez quoi? Franchement, j'y croyais pas. Mais c'est plutôt bon. Enfin, plutôt bon. C'est pas saveur 5 étoiles, tu vois. Mais c'est mangeable de ouf, hein. Bah c'est bon, j'ai dégusté tous les produits. Ouais, je sais, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. D'ailleurs, je poste 2 fois par semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner, t'activer les notifications, je te vois, petit filou. D'ailleurs, on va faire quelque chose. Je veux qu'un max de personnes activent les notifications. On sera la chaîne YouTube et qu'il y aura le plus de personnes qui aura activé les notifications. Ça vous dit? Franchement, c'est plutôt pas mal, non? Moi, j'y crois, hein. Franchement, j'y crois. Je vous fais de gros bisous et claim to fame.